tomber d'un coup et m'embarquer. Me voici au PSG, putain. Je suis en plein chez l'ennemi. Faut que je trouve un moyen de m'échapper de cet endroit maudit. Parole de Marseillais. Tu feras du tourisme plus tard avant. Voilà, on est au Parc des Princes, on est invité pour un escape game avec Tammy. Et il n'y a pas le reste de l'équipe, mais il y a Gabi déjà qui est là. On vient prêter main forte. Exactement, c'est le pro des escape games, c'est pour ça. Et lui par contre, c'est sa première dans Footstyle. Salut Footstyle. Est-ce qu'il y a des ressemblances, vous pensez déjà? C'est mon frère. J'ai ramené le petit frère comme lui dans les délires d'ingénieur et tout, il va nous aider pour... les abonnés qui vont nous aider aussi. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on vient de signer au PSG, donc là c'est les premiers supporters. On va jouer contre un gang bientôt, donc on va la préparation mentale, physique et musculaire. Là voilà. C'est pas les muscles qu'on va utiliser, c'est les méninges. Non, pas les méninges, les méninges. Ouais, ça commence. Bah, il faut que les spectateurs soient heureux, soient gentils, et que les journalistes aussi soient gentils, hein. Monsieur Goudron de la province, j'aurais quelques questions. Ensuite, le dernier point, pour que je sache un peu à qui j'ai affaire, peut-être pas à des Marseillais. Monsieur Goudron de la Provence, sachant que le Paris Saint-Germain n'a jamais gagné la Ligue des Champions, contrairement à l'Olympique de Marseille, est-ce que indirectement le PSG est inférieur à l'Olympique de Marseille? La mathématique, tu es dans la logique. Tu as défini une question, un théorème. Ça bafouille, hein? Est-ce que c'est logique ce que tu viens de dire? C'est très logique, sachant que le PSG a perdu contre Salzbourg et que nous on a gagné. Enfin, je dis ça, je dis rien. En tous les cas, nous on est premiers. Et vous êtes combien? Nous on est le premier dans l'Europa League. Bon, on espère, en tous les cas, moi j'espère que vous gagnerez, mais en tous les cas, bon, le premier, le championnat de France, qu'est-ce qu'il a gagné? C'est. Paris! Non, en fait, on m'a fait la conférence pour s'entraîner pour l'an prochain, quand on fera la vraie conférence, quand on sera là-bas et on va annoncer qu'on a signé au PSG, voilà. C'est pour ça en fait. Mon agent Gabi est là pour veiller sur les clauses libératoires et de contractuelles. Il faut que je leur dire en face ce que je vais leur dire en face. Contre quelle équipe le Paris Saint-Germain a-t-il gagné sa plus belle coupe? Ok, c'est le Rapide de Vienne. C'est le Rapide de Vienne. Et il était plus rapide que toi. J'ai déjà fait de faire Goudron tous les deux minutes. Il y a trop d'occasions. Et vu que t'étais très rapide, je vais t'acheter une viennoiserie. Tu vois, c'est moi qui remplace les vannes de Goudron là, tu vois. Parce que Rapide de Vienne. Rapide de Vienne. Il était rapide, c'est lui qui a trouvé. Viennoiserie, Vienne. C'est quoi Rapide de Vienne? C'est un club de foot, c'est rapide. Je pense. Nous à Marseille, on n'est pas rapide, c'est tout. Parisien, Lucas. Oh, il est passé deux fois sur le rayon. Ah donc une viennoiserie, ok. Ouais. Les blagues sont trop complexes, trop mathématiques, comme a dit l'entraîneur du PSG là. Oh la mathématique, tu es dans la logique. Goudron, il devrait être mathématique. Il nous a gagné 99 plus 3, 2001. Hein? Ouais. 2002. Ça commence à mettre un malaise dans la salle. Franchement, j'aurais fait ça à Marseille. Je pense que les Marseillais, ils auraient pas accepté. Ah, ils t'auraient tapé. À Paris, ils sont cool. Non, c'est pas des vrais supporters aussi. Oh non. Tu vas te faire casser la gueule. T'as entendu derrière, tu peux filmer. Hein. En plus, lui, il est pour l'OM. En fait, c'est le stagiaire. On peut lui défoncer la gueule. Hein. Pardon. Je rappelle, c'est le stagiaire qui a trouvé Rapide de Vienne. On va couper le montage. C'est qui comme joueur? Albrizi. Albrizi. Il va briser des côtes. Albrizi. Albrizi, le casseur de côtes. Coupez ma vanne. Coupez ma vanne. Vous avez des questions ou pas? J'ai des questions. Allez, dis-moi. Si vous êtes vraiment joueur de football de Paris Saint-Germain, ouais. De reproduire ce geste. Oh non, j'ai mal à la cheville. Vas-y, fais-toi. Ah, tu fais les trucs de freestyle. Ah, super, vas-y.
Bon bah c'est marrant hein, ça amuse. Si jamais vous habitez à la campagne et tout, bah et que vous avez jamais fait la queue de votre vie, bah voilà, vous avez cette animation. Pour moi je vais mettre la chanson King of Freestyle pour m'occuper. Bendu. Toi aussi tu peux être le King of Freestyle. Être le King of Freestyle. C'est qui le King of Freestyle hein? C'est moi le King of Freestyle. Je voulais faire un petit pont là contre le Albrizzi là avant mais il était pas... Je crois que plus personne va nous faire des invitations. C'est chaque fois on troll leur animation. Tu veux de la sensation? Alors que là, Samy se casse la gueule au PSG. Presque, presque. Il faut un titre putaclic. Presque. Un titre putaclic. Wobiding. Tombe, tombe. T'as eu ton contenu? C'est comme ça qu'on aura le million de vues, comme ça qu'on va revenir en force en faisant tomber Samy. J'ai failli tomber pour de vrai. Vu le prix de la place, c'est plutôt le parc des Pence. Je vais te pincer le nez. Je vais te dégommer la gueule, toi. Et non, entraînement. Défi footstyle improvisé tout de suite. Tu dois jongler sans toucher les chaînes. Augmentation de la difficulté. Oh putain. Monsieur Goodheim, salam. Je me demanderai comment un Marseille un jour. Et le petit... Putain, on est vraiment des fouteurs de merde quoi. On a quoi comme lettre? Ouais, j'ai oublié le jeu, merde. Et vous trouvez quoi en fait, Gabi? Il faut trouver les 4 lettres, pour l'instant on a que 3 lettres. Y, T, il nous manque la 3ème, on a A. C'est pour ça qu'on les a amenés, nous on est là pour foutre la merde. Et on est là pour se mais là, c'est génial. Dimitri Payet. Doreen. Rolando, Rolando, Rolando. Vas-y le boli. Regarde Gabi, il a le fond dedans. Brillante encore. Puis toi t'es un fervent supporter du PSG toi. Et moi PSG, tout ce qui est Nebu Fekir et tout, moi attaquant. Allez l'OM. À la sortie il va se faire défoncer hein. Mais vous êtes des vrais Marseillais non? Parce que là t'es en train de sortir le couteau. Non, vous êtes des vrais Marseillais ou je veux dire ah, là on prend des risques hein. Ça se voit que le gars, l'animateur, il kiffe grave PSG. Et comme il a dit, il a fait un petit pas, tu vois. Genre, en gros, il a dit, mais c'est bien, vous êtes en finale, c'est bien. Et en vrai, je pense que toute la France est derrière l'OM, pour de vrai. Allez, les gars. Oh, on est en finale. Oh, on est en finale. On est en finale. Champion du monde. Bon, on peut admirer l'appartement de Ben Arfa. Que Ben Arfa il a sa place genre attitré. Bon ouais c'est là il a mis ses chips en dessous, il a mis sa, il a mis sa PSP. Où est-ce qu'elle est la Ligue des Champions? Il n'y a pas la Ligue des Champions. Ah, parce qu'à Marseille on l'a celui-là. Moi je suis le Marocain, genre, Marseille, Paris moi je me ah, allez le Maroc pour la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Au niveau de la sécurité, on a des beaux bébés, d'accord? Il faut du Krav Maga, t'as pas du tout envie de tester. Est-ce que vous faites du Krav Maga? Non. Il l'a dit, vous en faites. Gaëtan va nous faire une petite démonstration de quelque chose. C'est un peu improvisé, mais vous allez voir, il a quand même un talent particulier. C'est un peu cet incroyable talent. Passe. Je vais faire quoi? Une tête. Ouais. Ce que je peux dire, c'est que Gaëtan, c'est pas donné, Gaëtan, voilà. Mais par contre, ça les vaut. Mais nous, on est prêts à vous le vendre pour 200 euros, s'il vous plaît. 200 euros. Allez, c'est parti, on kidnappe. Allez, chihuahua. Avant qu'on oublie, merci à Studio 71 et au PSG. Pour invité. Franchement, c'était cool. Franchement, si vous voulez voir le Parc des Princes et tout, c'est super stylé, voilà. T'es fan du PSG ou pas hein. This is the place to be. Ou fan de l'OM. Il y a aussi un Marseillais qui vient de... Moi, je suis venu pour régler les cannes, c'est pas pareil. Quand je parle en M. Goudon, c'est pas moi. C'est pas mes opinions. C'est mes opinions à moi. Mais ce gang-là, c'est pas ses opinions à moi, tu vois, parce que moi, je suis quand même normal. J'ai envie de voir Monsieur Goudron qui imite Coach Sam. Coach Goudron. C'était nul. Coach Sam, il est mieux. Salut les youtubeurs, c'est Coach Sam, ça va ou quoi? Allez, un like, tous les délires youtubiques et à très vite. Ciao.
C'est les restes que j'ai pu avoir en fait de l'entraînement avec mon frère. Et moi mes talents c'est plus dans l'informatique. Je me passe un ordi, un clavier, je te programme n'importe quoi. Je te hack, l'adresse IP de tous les abonnés je l'ai. Je vous pirate tous. Celui qui lâche pas un pouce bleu, je prends son compte Facebook, je prends son compte Google, je prends son compte bancaire, je prends le compte bancaire de toute la famille. T'es un gros mytho. Enfin bref, si tu veux pas qu'on te règle ton compte ou ton compte bancaire, tu sais ce qu'il te reste à faire, un petit pouce en l'air. À bientôt.